C'est un peigne qui est cultivé pour devenir un esprit. Chaque fois qu'une femme se peigne, elle donne naissance à un fils. Mais elle a continué à se peigner et à donner naissance. Jusqu'à ce qu'elle donne naissance à cette fille. Elle voulait tellement une fille. Elle a donc recommencé. Cette fois-ci, elle a enfin eu une fille. Mais elle eut tellement d'enfants qu'elle eut beaucoup de mal. Elle devait utiliser la plus grande marmite qu'elle pouvait trouver pour cuire une miche de pain à la vapeur. Face à un tel problème, la mère dit avec désinvolture. J'aimerais que vous soyez des corbeaux. Mais dès qu'elle l'a dit, les enfants se sont vraiment transformés en corbeaux. Les enfants se sont vraiment transformés en corbeaux. La mère se rendit compte qu'elle ne pouvait pas dire ce qu'elle voulait dire. Après cela, elle n'a plus jamais parlé. La fille voulait réconforter sa mère et sauver ses frères. Elle alla dans les montagnes et trouva une sorcière. Et la sorcière lui a dit que si ses frères s'étaient transformés en corbeaux, était dû à la malédiction de sa mère. Si elle voulait la briser, elle devait faire une robe pour ses frères. Quand les frères auront mis les vêtements, la fille pourra faire un vœu. Elle peut alors souhaiter que ses frères se rétablissent. Mais elle doit le faire seule. Et elle ne peut pas parler pendant le processus. Ensuite, la fille a traversé des montagnes et des prairies enneigées. Elle arriva enfin à une mer verte.